Les PACT sont des associations loi 1901 d'intérêt général, issues d'un mouvement national qui s'est professionnalisé progressivement depuis les années 50 et qui accompagne les habitants dans l'amélioration de l'habitat, qu'il s'agisse d'habitat individuel ou de copropriété. De façon générale, le PACT va avoir un rôle de conseil d'organisation auprès du conseil syndical, de coordination avec le syndic et les différents intervenants pour pouvoir d'une part informer les copropriétaires sur les aides financières, notamment les copropriétaires les plus modestes dont ils pourraient bénéficier, ce qui peut être un élément clé de la décision des travaux. De plus en plus, on intervient peu de temps avant la décision de travaux. Alors évidemment, ça peut être variable selon la complexité des projets, mais ce qui est important pour nous, c'est quand même d'avoir dans notre communication une certaine stabilité sur les aides financières dont on parle, et donc en fonction des changements réglementaires, des changements de critères de ces différentes aides. On va plutôt privilégier des périodes où on sait que le vote des travaux est dans une étape un petit peu stable, de façon à ne pas créer de déception ou de problèmes de communication pour le conseil syndical. La rénovation énergétique des copropriétés est un phénomène est en pleine évolution, c'est très récent. Ça a été accéléré par les obligations d'audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50 lots chauffage collectif à faire d'ici fin 2016. On observe une accélération des demandes d'audit et évidemment de projets de rénovation énergétique qui suivent. Le contexte, de plus en plus, qu'on observe de façon globale, c'est on était sur des aides qui fonctionnaient bien en individuel ou en privatif, et de plus en plus se créent des systèmes permettant de financer plus simplement à échelle collective, ce qui est une forte demande des professionnels et aussi des copropriétaires qui sinon sont un petit peu noyés par la complexité et la diversité des aides financières.